Ce CD Kaléidoscope, c'est vraiment un voyage à travers les siècles qui montre les mille facettes du violon, toutes ses possibilités expressives. Et il y a un fil conducteur qui est Jean-Sébastien Bach, qui a influencé quasiment tous ces autres compositeurs que j'interprète sur ce CD. Honegger, Eugène Ysaÿe, Tantantiet, Khatchatourian, mis à part Albéniz. Au départ, ce CD s'est constitué un peu comme un puzzle. J'avais travaillé les pièces, mais à des périodes différentes. À la base, pas du tout pour en faire un CD. Et en fait, j'aime beaucoup le répertoire pour violon seul, qui est un défi pour tout violoniste, et qui est magnifique, qui regorge d'œuvres peu connues, qui méritent de l'être, à mon sens. Dans ce programme, bien sûr, l'achat Condemar, c'est dans une tonalité de ré mineur, plutôt triste. Il l'a écrit très peu de temps après la mort de sa femme. Comme souvent chez Bach, c'est une musique qui transcende tout. C'est vrai que j'ai cherché l'ordre du programme, et même si ça peut paraître très surprenant de jouer Tantantiet juste après la chaconne de Bach, mais il y a vraiment un lien, parce que la chaconne en ré mineur se finit comme ça, et le Tantantiet commence sur un très très long ré qui représente l'eau, puisque c'est une pièce sur les éléments métal, terre, eau. Et l'eau est un élément dominant dans cette œuvre, notamment. Et c'est un très long ré qui fluctue, qui n'est pas lisse, mais non, j'avais demandé au compositeur il y a quelques années, quand je l'ai rencontré, ce que ça représentait. Il m'a dit, c'est justement les fluctuations de la vie. Ça reste jamais lisse, plat, et donc il faut travailler le son, mais dans des nuances à la limite de l'audible au début, avant le déchaînement des éléments petit à petit, avant qu'ils s'entrechoquent. Je trouve que c'est une œuvre qui est très forte, qui a beaucoup de caractère et qui est très personnelle. Je trouvais que ce serait intéressant de la mettre après la chaconne pour mélanger les siècles. C'est vraiment comme ici, un peu dans ce lieu, on sent la continuité de l'humanité, en fait. Depuis le 11e siècle jusqu'à maintenant, les générations se succèdent, mais l'humanité est toujours la même, en fait. Et je pense qu'on peut faire pareil avec les différentes esthétiques. Le Khatchatourian, c'est une œuvre qui me fait penser au génocide arménien, même s'il n'en a pas parlé pour cette œuvre, mais en tout cas toute sa première partie et la fin qui est très lyrique, qui est comme très sombre. C'est une œuvre quand même assez dramatique, ouais, dans l'ensemble, sauf les parties folkloriques. Ce que j'aime, c'est que dans toutes ces œuvres, la technique, à chaque fois, qui est très différente dans les modes de jeu demandés, sert toujours la pensée musicale. C'est jamais de la virtuosité vaine ou gratuite. Ce qui ne m'intéresse pas trop, c'est vrai que quand on peut choisir le répertoire, c'est plutôt des œuvres qui vraiment nous parlent. Thank you.
La sonate d'Honegger, c'est une pièce très physique qui demande beaucoup d'engagement. En fait, il l'a composée pendant la guerre. Il cherchait vraiment un peu de paix, d'espoir dans la musique de Bach. Donc elle est vraiment elle est écrite en référence à Bach, mais en particulier, donc elle est en quatre mouvements, mais qui durent moins de 13 minutes, donc c'est très dense. Et en particulier, le premier et le dernier sont très difficiles au niveau de la technique. Il y a des accords à trois sons qui demandent des écarts énormes qu'on voit très rarement dans la littérature violonistique. Donc elle est elle-même un défi et elle demande un engagement total. Le mouvement lent est très sombre. Il me fait vraiment penser à une prière aux prisonniers de guerre. Alors j'ai pensé même en l'enregistrant aux prisonniers qui étaient ici à Fontevraud. Astorias d'Albéniz a été écrit initialement pour piano, même si c'est beaucoup plus souvent joué à la guitare. Et là, je suis tombée un peu par hasard sur cette transcription de Xavier Turull, un espagnol, pour violon seul, qui marche très bien, je trouve. C'est une pièce aussi à l'identité très forte, bon, qui là, se rapproche plutôt de la partie folklorique de Khachaturian. C'est vrai que c'est un peu un clin d'œil parce que j'ai eu un grand-père espagnol, mais que je n'ai pas connu. Mais je pense que c'est une musique qui résonne quand même en moi, la musique espagnole. J'aime cette identité très passionnée, fière aussi, et très poétique et très pudique à la fois. Je trouvais que ça complétait bien par une œuvre avec une identité forte. Ok, pardon, je t'arrête juste là, excuse-moi. En fait, j'avais oublié cette mesure-là aussi, où tu n'attaques jamais complètement les deux notes ensemble, la fin, le point d'orgue. On peut doubler encore cette première mesure de la ligne 4, du système 4. C'était bien, mais je veux bien l'avoir une deuxième fois comme ça. Faut pas tout refaire pour autant, mais bon, voilà. Pour mon troisième disque, j'ai la chance de travailler avec Aline Blondiot, comme ingénieure du son et directrice artistique, donc elle dirige l'enregistrement. C'est important aussi d'avoir quelqu'un qui fait la direction, c'est-à-dire qui gère bien le temps pendant l'enregistrement, parce que le temps est comme compté. Et des fois, des aléas, de bruit, bon, faut être très flexible. On peut être amené à plutôt enregistrer la nuit. Et puis, elle a vraiment une très très bonne oreille, elle entend tout. Elle pousse à jouer comme en concert, ça c'est très important, parce que en enregistrement, il faut exagérer les dynamiques, les nuances. Et notamment dans un lieu comme ça, on peut vraiment chercher des nuances extrêmes dans les pianos, à la limite du murmure, pour qu'il y ait vraiment des couleurs et que ce soit vivant. Parce que ce qui est dur en enregistrement, c'est que
quand même, il faut beaucoup d'endurance physique, beaucoup de concentration, mais aussi garder le côté, comme en concert, que ce soit pas moins vivant, parce qu'on recherche à s'approcher d'une certaine perfection technique et oublier l'essentiel, qui est quand même ce qu'on met dans l'œuvre, ce qu'on investit de nous-mêmes. J'avais eu l'occasion de visiter l'abbaye de Fontevraud il y a quelques années. J'avais eu un coup de cœur énorme dans ce lieu, qui est vraiment magique. Et au moment de la recherche de lieu pour cet enregistrement en violon seul, qui demande une acoustique quand même particulière, il ne faut pas que ce soit trop sec, il faut qu'il y ait une certaine résonance naturelle. Et ce réfectoire a une acoustique exceptionnelle. On entend le son jusqu'au bout. Et c'est vrai que cette abbaye est vraiment un lieu inspiré, habité, et qui est très silencieux aussi, donc qui amène à la concentration nécessaire pour un enregistrement.